Eh bien le bonjour, bonsoir à tous, c'est Akaima, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur la chaîne parce que genre j'avais la giga flemme comme on dit, j'avais pas envie pendant quelques temps de faire du vidéo, du coup j'ai laissé en plan tout le bordel. Hein. Mais bon là on est en août, je reprends les choses en main, voilà. Allez bon, alors vu que ça fait très longtemps que j'étais plus sur ce jeu, je sais plus ce que je dois faire. Je dois faire quoi? Allez, voilà, ok. Niveau potion, j'étais bon, je regarde juste du nombre de trucs. Ouais, ça va, j'étais assez bien truc. Faut aussi que je me reprenne avec les touches. Antidote, non, c'est pas ce que je voulais faire. Petite potion, quoi. Attendez, faut que je m'en souvienne comment ça marche. Déjà, carte. Est-ce qu'on est loin de voir la roque ou pas? Ouais, un peu quand même. Ok, bon, bah du coup, on va voir la roque, mais faut d'abord passer par là. Ok, bon, attends, déjà, on va prendre ça. Voilà, merci. Les baies, on les prend. Voilà. Même si c'est pour faire des peaufines, mais je les ferai jamais parce que... la flemme, encore une fois. Voilà. Voilà, bon. Allez, on continue notre chemin. Et direct... Et direct, et ben là je suis bloqué. Attends, bon, attends, là je suis Pieblo. Je sais même plus si j'ai déjà affronté Ah non, j'ai pas tout affronté. Bon, autant les affronter, autant le faire. Hein. Bonjour, tout est bien, quel genre de Pokémon as-tu? Beaucoup de sortes. Ok, Daniel Akogur. Le Kunotor, on va l'enculer, Kunotor. Vas-y, Torval, pique-lui le cul. Ok. Bon. Level 14, level 26. Ça va être vite fait. Voilà. Le petit one-shot qui fait plaisir. Évidemment, mieux. Oh ouais, c'est vrai que j'avais un Ragayou, un Onix. Putain, faut que je le remplace, ces Pokémon de merde. Pour une fois que je démarre une fois la DS sur la version originale de Perle pour voir ce que j'avais comme équipe, toi, histoire que je refasse la même équipe, toi. Parce que je sais que j'avais Etourvol, Luxio, Chimpon Feu, mais Castorneau, je suis pas sûr que je l'avais, et Rakoyu et Onyx, je suis sûr que je les avais pas. Donc voilà quoi. Allez, cruel. Tant que ça marche. Hein. Bri. Voilà. Encore un Kunotor. Oh. Allez, pour la blague, on va sortir. Oh tiens, Luxray, allez. Ça fait longtemps qu'elle avait plus de Luxray. Ah, Luxio, pardon. C'est vrai qu'il a pas encore évolué. Luxray, c'est après. Alors, éclair. Bon, ça pourrait faire le taf. Hein. J'ai 10 levels de plus. Hein. D'accord. Un coup de boule. Wesh. Ça pas suffit. Oh la loose. Parfait. Bon. C'était un two-shot. C'est pas grave. Mais wesh, mais elle a combien de Kunotor là? Elle a combien what? Bon, elle est un seul. Si là, ça va être une part de qu'elle est un seul, moi je sais pas ce qu'il faut, ça. Voilà. Encore un Kunotor, voilà, évidemment. Elle a que des Kunotor. C'est un petit peu la loose. On va pas se le cacher. Étincelle. On va s'emmerder, hein. Voilà, ça dégage. Oh, je suis trop fort. Ce combat était très chiant et très long. On dirait que les Pokémon sont bien différents. Ouais, c'est surtout que j'ai attrapé des Pokémon différents. Et pas que des putains de marmottes.
Non, pas des marmottes. Oh putain, maintenant c'est lui qui l'a voulu. Oh, je m'en fous. Il est voulu encore déjà? Gravelanche? Je sais plus. Rolem? Je sais plus. Oh putain. Voilà. Gravelanche, ouais, voilà. Ouais, il a voulu 105 putains de kilos. C'est ça, tu te le manges dans la gueule. Tu vas le sentir passer. Bon, alors. L'île des Colvieux, là. A te perdu, c'est là que repose l'âme des Pokémon disparus. Ah, allez, on visite une fois, là, pour leur blog. Je sais plus si je l'ai déjà visité. En même temps, tu me diras, ça fait tellement longtemps. Ok, il y a déjà... Bon, évidemment, je vais me faire merder. Un fantôme, va-t'en ! Non, mais Pokémon, aidez-moi ! Je suis un putain d'humain ! Bordel de merde ! Oh mon chouette ! Vas-y, les gars ! Bon. Alors. Cruel, hein. Tant que ça marche. Hein. Il est con. Ça marche bien. Un sang coquille. C'est quoi déjà? Ah, Pokémon. Pokémon type O. Attends, je crois que j'ai peut-être une. Attends. Attends pas que je dis des conneries parce que son évolution c'est un haut sol, donc du coup c'est la baisse. Sans coquille. Je sais plus. Mais à un moment c'est la pré-évolution je crois. Ouais voilà. Mais à un moment ça passe crème. Avec éclair. Voilà. Voilà. Ok d'accord, c'est super. Il a une défense de bâtard wesh. Ah. Armure. Bien joué. Augmente la défense. Mais ça sert à rien avec sur une attaque d'éclair. Parce que c'est de la défense spéciale qu'il faut. Chef. Voilà, parfait. Luxe qui monte level 27. Ça par contre, ça je dis oui. Melocric, Pokémon type insecte, de quoi sortir. Jambonfeu, merde. Jambonfeu, voilà. Un petit coup de flamèche et on n'en parle plus. Le 16. Oh, j'ai tellement lui roulé dessus. Ah, j'ai que roue de feu. Ouais, au moins elle est sûre qu'il est KO. Hein. C'est vrai. Oh, la douloureuse. Aucune chance. Ouais. J'ai gagné. Un bout de la thune. Un bâtard. Bon. Une pierre ovale. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des Pokémon sauvages aussi? Je sais plus, je crois. Oui, là, j'ai reçu la réponse très vite. Un Incerti. Attends, what? Oh, vas-y, la giga flemme, vas-y, je me casse. J'ai dit, je me casse. Voilà. Merde. Bon. Ah, juste une fois monté tout en haut, on va y aller. Ah, je crois que je vais mettre en repousse parce que ça m'énerve déjà. Oh. Un Phantomenus. Allez. Why not, hein? Level 18. Alors, on va essayer de le capturer. Cruel parce que les attaques normales ça marche pas sur eux. Ah trop puissant. Merde. Ça c'était pas très voulu ça par contre. Bon bah tant pis. Évidemment. Mon Pokémon repose ici. Tout ça à cause de la Team Galaxy. Depuis j'en veux à tous les dresseurs de Pokémon.
Mais merci de mettre dans le même sac de ces bâtards. Culé. Peine de loubar. Ce Pokémon ne correspond pas du tout au personnage. Oh putain la blague. Yo les gros monsieur, répétez Pokémon. C'est la grosse blague, wesh. Bon. Est-ce que Vive Attaque ça suffit? Pas du tout. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais Vive Attaque. Voilà, parfait. Castagne qui level up, ok. Oui. Il a juste rien d'autre à dire que... Ah, ok. Un rappel, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Oh, je me coince dans les... Tous les putains de murs. Je me l'explique pas, mais le fait d'être ici me donne envie de me battre. D'accord, si tu me dis. Oula. Alors. Il y a deux personnages, ok. Pourquoi pas. Par contre, c'est pas comme un type électrique, c'est pas ouf. Vive attaque, tu cherches pas. Bré. Parfait. Ah le bâtard. Oh l'enculé. M'a paralysé. Enflure. Ah, et tu vois le monte level 27, parfait. Un Pikachu. Bon, on va changer de Pokémon parce que là, vu qu'il est paralysé, c'est moyen ouf, on va dire. Allez, champion feu. Allez, c'est parti. Alors, la petite roue de feu, elle est efficace. Et d'un moment, elle est assez puissante pour one shot. Parfait. Voilà, ça, c'est expédié. Level up de champion feu, j'achète. Par contre, les Onyx sont pas à la race. Onyx va prendre grincement. Ouais. Fais pas chier. Faut sortir le sérieux. Un Pichou. On continue sans danger. Tranquille. On va les mettre des grosses patates de fourrin. Genre. Un bon gros Mac Punch. J'imagine déjà la scène où il met un gros pain en plein visage, quoi. La douloureuse. Ouais. Allez, raboule la thune. Hein? Mais qu'est-ce que je faisais? Ah! Alzheimer! Par contre, il fait peur, hein. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, mais il fait peur son perso. Attends, y'avait pas un autre. Oh, je sais plus. Je verrai déjà quand je redescends. Oula! Y'a du. Merde. Je dois oublier ma peine, s'il te plaît, bats-toi contre moi. Un bon coup de combat. On est ça, le Pokéfan veut se battre. Ok, si tu le dis. Ah, Manzai. Alors là, le truc, il est pas ouf. Je pense que c'est un bordel qui proche, et je sais... Ouais, ça c'est pas très efficace. En plus, il est paralysé. Merde, j'aurais dû le changer. On va changer d'équipe, on va prendre Champion Feu. Au moins, lui, avec ses trucs de combat, ça va faire des dégâts. Wally Wadou. Voilà, là on discute. Chef, t'as échoué. Allez hop, ça dégage. McCoy. Brrr. Oh putain, la défense quoi. Ouh, l'esquive. Alors par contre, ouais, attaque. On va encore faire point boost. Au moins ça va booster l'attaque, ça va déjà être ça. Voilà. Lui, il est KO. Et en même temps, moi, j'augmente mon attaque. Ah d'accord, il avait qu'un seul Pokémon. D'accord, ok.
Ok, ouais, donc je disais. Alors, équipe. On va se soigner. Alors, est-ce que j'ai un antipara? Oui, parfait. Utilisé. Hop là. Voilà. On va quand même utiliser un petit peu de potion sur lui quand même pour le gagner de quelques PV, voilà. Et les autres, oh, les autres ça a l'air d'aller. Hein. Par contre, attends, boîte PC. Je vais quand même voir ce que j'ai dans la boîte PC. Qu'est-ce que... Oh boy, j'ai que dalle. J'ai deux Pichu, je sais pas pourquoi. Ok. Bah, écoute, on va le relâcher, ça sert à rien quand j'en ai deux. Oui. Allez, pas j'ai les vues, ouais, ça tombe bien, je m'en fous en fait. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, parce que ça, ça, par contre, je suis pas en OCGN case vide, je pète un plomb. Et j'ai pas des trucs. Ouais! Faut que je pense à capturer plus de Pokémon. Hein. Parce que là, c'est pas ouf, là, ce que j'ai quand même. Bon, on va faire le double combat. Peu importe où on se trouve, si t'es Pokémon Dagmar, on doit tuer d'autres bots. Ok. C'est le but. Oh, un combat. Un combat avec un daron et sa fille. Ok. Alors, on a quoi? Alors, un Mitsuboe et un Ponyta. Bon. Alors déjà... La cruelle, on va le faire sur Ponyta. Et avec Étincelle, on va aller sur Mitsuboe. Au moins ça, ça va faire des gros dégâts sans dire. Voilà. Voilà, parfait. Et un KO. Nickel. Nickel Chaji. Ça va, j'ai pas sérieux, ça va. Pour écouter un petit vive attaque, ça va faire le café. Et dans le doute, on va faire morsure, mais. Oups. On va faire morsure, mais dans le doute, ça passe quoi. Voilà, nickel. Parfait. Eh bien, quel fou. T'as beaucoup d'énergie en toi. Et ouais, parce que je suis jeune, même dire. 4712 boules. La thune. La CT27 balayette. Coup de tête balayette. Bon, cela, on va pas les affronter, j'ai un gros souvenir. Est-ce qu'on est bientôt à... Oh. Bonjour. Laisse-moi t'aider à sortir cet endroit sans encombre. Prends ceci. Une rune purifiante. Ok. Ça sert à quoi? Donne une rune purifiante au Pokémon de ton équipe. Elle t'aidera à repousser les Pokémon sauvages. Ah, pratique. Et qu'est-ce qu'elle dit l'autre? La tour perdue est l'endroit où repousser les Pokémon ont disparu. Ceux qui ont vécu très longtemps, ceux qui se portent trop tôt. Tous les Pokémon y trouveront un jour leur repos. Tu as bien fait de nous rendre visite. Tiens, prends ces CT. Vous obtenez des DCT96, ok, donc il y en a plusieurs. Et c'est quoi? À quoi cette secrète force permet de... Ah! Eh bah mais deux, heureusement que je suis allé là-dedans. Permet de déplacer des gros rochers qui bloquent le passage. Parfait! Tu dois visiter une arène, mais je sais plus la CVC si tu veux. Bah écoute, merci mamie. Merci beaucoup. Alors je pensais qu'il y avait plus d'étages. Allez, on pourra les affronter ces deux-là, comme ça c'est fait. Ah, le jeune, un jeune couple qui veut m'affronter. On va détruire ce couple. Ah, on va tellement détruire ce... Oh là, deux Pokémon ténèbres. Là par contre, c'est pas ouf, là par contre. Mais genre, vraiment pas. Faut faire très joli en 3D comme ça. J'aime bien. Alors, cruel. Faut forêt et... Une grosse attaque étincelle sur Cornèbre. Yeah. Ok, ça, ça fait pas mal de dégâts, ça c'est bien. L'étincelle, normalement, ça devra le one-shot. Parfait. Ok, lui, il est déjà KO.
choc mental. Ah, ça fait mal ça par contre. Ah non, ça va. C'est legit. Hein. Alors, vive attaque, ça marche pas, donc on va refaire cruel. Hein. Voilà. Et un petit coup de morsure. Je sais même pas si ça marche, mais bon, bah les coups. Voilà, ça fait déjà le café. Parfait. Là, combien de temps dans la vidéo? 20 minutes. Ok, on est déjà à 20 minutes et j'ai que fait la tour. Eh bien, j'avance pas très vite. Hein. Je me sens vide à l'intérieur, si vide. Ah, demande à ton mec de te remplir. Oh putain. Oh, je te sais, oh, je viens de sortir un truc tellement machiste. Ça va, je déconne. C'est une boutade. Ça va. Oula, il y avait un petit saut d'écran, c'était assez bizarre. Allez, on se casse. Voilà. Bon, moi, j'ai eu la capacité secrète force, donc ça, c'est cool. J'avais complètement oublié que c'était là-dedans que je me fournissais. Non, il m'attaque pas. Ah, si, il m'attaque. Allez, retour le faire, ça fait de l'XP en plus. Hein. Un Medikika et un Machoke, ok. La teammate de son qui fait toujours son travail comme il faut, parfait ça. Ah, surtout son Machoke, ça c'est efficace. Alors, on va faire une attaque sur Medikika et un bon gros coup d'étincelle sur le Machoke. On va l'électrocuter le tout. Ok, ça fait pas mal de dégâts, ça c'est cool. Étincelle, ok, c'est pas trop mal. Ok, bon, le puissance, il aura pas le temps de claquer sa puissance. Chef. Machoke. Normalement, un petit coup d'éclair, ça devrait être suffisant. J'espère que là. Ok, ça suffit, c'est parfait. L'XP, voilà. Et l'éclair. Est-ce que ça suffit? Ça suffit, oui. Parfait. Par contre, j'espère qu'on arrive vite dans la prochaine ville parce que j'ai commencé à avoir un niveau PV et un peu short. Hein. Je suis désolé, Ted. Oh, c'est mignon. Quand Anne est là, je n'existe que pour elle. Ouais, c'est ça. Cherche des excuses. Cherche seulement des excuses. Bonville. Il fait bon à vivre. Bon alors déjà je soigne une Pokémon parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. Voilà, parfait. Je vais soigner une Pokémon et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est déjà à un peu plus de 23 minutes. Ce qui est juste un longueur d'épisode tout à fait normal. Même si j'ai sacrément tendance à dépasser cette cote là. Mais bon, voilà. J'espère que du coup... Alors non. Non, je... J'espère que du coup, ouais, je voulais dire que la vidéo bah, vous a plu après une assez longue absence. Hein. Bon, même si à tout petit vous êtes trois à regarder, mais n'empêche, voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. Hein. Comme d'habitude, en fin de chaque vidéo, c'est bah, le classique, l'abonnement, le commentaire, le partage, le pouce bleu, la cloche de notification. Et voilà, enfin, vous connaissez les bails. Hein. Allez, sur ce, c'était Akaima sur Pokémon Pearl Scintillante. Et moi, je vous retrouve bah, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!